Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Bonjour à tout le monde au Brown Bag Lunch d'aujourd'hui, présenté par Optonic, le pôle d'excellence en optique photonique du Québec, et le Centre d'optique photonique laser, le COPL. Je m'appelle Maxime Heinz, je serai votre animateur aujourd'hui. Pour ceux que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer, je suis responsable du développement des affaires chez Optonic. À ce titre-là, je vais profiter de la tribune qui m'est offerte ce matin pour souligner deux, trois nouvelles importantes pour Optonic, pour la communauté optique photonique. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler la 4e Assemblée générale annuelle de Optonic qui se tiendra le 17 juin prochain. Donc, c'est le dernier Brown Bag Lunch avant l'AGA d'Optonic. Ça se passera virtuellement de 16 à 17h30. Tout le monde est invité. Vous pouvez vous enregistrer, vous inscrire sur le site web de Optonic. Deuxièmement, si vous voulez être un peu plus actif au sein de votre organisation associative, au sein d'Optonic, en plus de regarder l'AGA, vous avez peut-être vu passer dans l'infolettre plus d'informations sur la création de chantiers de travail au sein d'Optonic dans les prochaines semaines, les prochains mois. Le recrutement va bientôt commencer. Si vous avez plus de questions, si vous avez de l'intérêt pour participer à un des deux chantiers de travail, vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire à mes collègues. Les deux enjeux, les deux thèmes sur lesquels on va se pencher cette année, ça sera la relève et la main-d'œuvre. Puis l'autre chantier se consacrera à la croissance et à la commercialisation des organismes et des entreprises de l'industrie. Je vous invite dernièrement à continuer à suivre l'infolettre. Il y aura des nouvelles, il y aura des projets qui vont être lancés dans les prochaines semaines, les prochains mois, ainsi que l'ensemble des événements sur lesquels on travaille, puis que ça nous fera plaisir de vous présenter, là. Tout ça, c'est dans l'infolettre. Il faut vous assurer que vous êtes bien inscrit. C'est gratuit sur le site web de Optonic. Entre-temps, on n'est pas en reste. On a aujourd'hui deux présentations de membres de Optonic. On a Matthew Posner, scientifique de procédés chez Excelitas. Ça sera suivi de Steve Bissonnette puis de Steve Lévesque, respectivement président et directeur de développement des affaires chez Diacarb. J'en profite pour les remercier d'être là, d'avoir accepté de prendre le temps ce matin pour nous présenter un peu leur business. Ce qui se passe chez eux, s'il y a des besoins en ressources humaines plus spécifiquement. Il y a toujours beaucoup d'étudiants présents sur cette série de webinaires. J'en profite dernièrement pour vous rappeler le déroulement du webinaire d'aujourd'hui. Chacun des deux entreprises aura une quinzaine de minutes pour présenter l'organisation, ce sur quoi ils travaillent en ce moment. Ce sera suivi d'une période de questions, donc j'invite tout le monde à inscrire vos questions dans le Q&A, questions qu'on puisse alimenter les panélistes par la suite. Donc, bref, présentation de Excelitas. Excelitas Technologies est un leader mondial en technologie qui offre autant des produits haut de gamme prêts à l'emploi que des solutions photoniques sur mesure dans plusieurs secteurs, donc de l'éclairage médical à l'instrumentation analytique, au diagnostic clinique, aux applications industrielles, sûreté, sécurité. Ils font aussi beaucoup en aérospatiale, puis en défense. Excelitas Technologies, ça compte 6700 employés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. Ils ont des clients partout. Ce qui est bien au Québec, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir un de leurs gestionnaires, Éric Desfonds, d'Excelitas, qui est administrateur chez Optonic. Comme Mathieu le mentionnait il y a deux secondes, il est souvent de ce webinaire. J'en profite pour le saluer, le remercier de son implication chez Optonic dans la communauté optique photonique du Québec. Tandis que je passe la parole à son collègue, Mathieu. À toi la parole, Mathieu. Merci beaucoup pour l'introduction, Maxime, et bon, bienvenue à tous pour ce Brown Bag Lunch. Avant de commencer, on avait dit que vous pourrez me poser des questions, mais moi aussi, je vais vous poser des questions, malheureusement. Donc, les gens qui sont dans le chat vont devoir interagir avec moi directement. Et puis, donc là, j'ai une question et puis un indice. Je vais commencer avec l'indice. Si vous êtes Éric Desfonds ou d'Excelitas ou de NASA, vous ne pouvez pas y répondre. La question, c'est quand je vous dis Jedi, qu'est-ce que ça vous évoque? Donc, je vous invite à répondre dans le chat. Éric dit que ce n'est pas juste de commencer avec ça. Donc, si tu parles de laser, on parle de Star Wars, allez-y, il faut que j'aie au moins 5 réponses. Sinon, j'ai dit à Maxime, je ne pourrais pas continuer la présentation. Sabre laser, super. Yoda, oh, bon, ça vient doucement. Écoutez, je vais vous proposer de regarder une vidéo pour commencer, pour répondre à cette question. Donc, on va passer en mode partage d'écran en écoutant le son.
Et puis, ceux qui parlaient de laser, bah, vous n'avez pas tellement tort finalement. Je vous prépare à présenter mon écran et puis on va regarder comment ce qui se passe en science à NASA pour la Terre, pas, sur ce continent et dans l'espace. Attention, on est prêt, go. The International Space Station, or ISS, is sporting a new light fixture. The Global Ecosystem Dynamics Investigation, or JEDI, will beam down laser light on Earth from the orbiting laboratory to reveal more about our environment and how it is changing. NASA's JEDI sends laser pulses into tree canopies and precisely measures the light reflected back. The timing and intensity of light that bounces back to JEDI's telescope will reveal the height and density of trees and vegetation, and the vertical arrangement of the leaves and branches within the overall canopy. Dr. Ralph DeBaya, JEDI principal investigator at the University of Maryland, says, "This instrument will map forests in high resolution and three dimensions, revolutionizing the way researchers monitor them. Forested areas." Donc voilà, vous aviez la réponse à Jedi. Et puis, vous pouvez voir qu'Exidas, en fait, était sur Jedi, dans l'endroit où je vous montre, pour les systèmes de capteurs qui sont dans l'espace pour faire le mapping de cette forêt à travers le monde. Donc, on va parler un peu de ça aujourd'hui, nos projets aérospatials, et puis quelques autres thématiques qui touchent à Excelitas. Maxime, je vais juste te demander de regarder sur le chat ou si jamais il y a des problèmes de son, de me prévenir pendant la présentation, ça serait beaucoup, beaucoup apprécié. Ça marche. Donc, merci beaucoup, Maxime. Donc, c'est ça, les gens qui disaient la force, pourquoi pas Star Wars, oui. Parce qu'on est dans l'espace, les sabres laser, pas encore, mais peut-être un jour. Et puis, c'est ça, des lasers sont en jeu. Donc, d'abord, je veux juste reconnaître, avec des remerciements, deux personnes qui sont clés dans le travail que je présente aujourd'hui. À droite, la grande personne, c'est Dr. Philippe Bérard, qui en 2019 était au troisième événement de réseautage photonique à Montréal, qui présente un prix de recherche à une chercheuse, Geoffice Thomas, ici de la Polytechnique Montréal. Et puis, lui, c'est vraiment une force dans l'industrie. D'un point de vue technique de développement de produits. Et puis à gauche, vous trouverez Éric Desfonds qui était en pleine action dans une rencontre Zoom que nous avions organisée pour la Journée internationale de la lumière, qui, comme vous l'avez déjà entendu, est super engagé dans cette communauté d'optique et photonique. Puis ils me soutiennent à la fois dans mon travail d'engagement que je fais avec Citas et au Québec, et aussi m'apprennent beaucoup en termes de technique et de gestion. Donc, moi, c'est à l'écran, bah, sous le masque, un autre masque qui sourit, c'est moi, Mathieu Posner. Mes pronoms, c'est il et lui. Et mon parcours professionnel est celui d'un scientifique en optoélectronique. Je suis engagé et puis pédagogue. Vous pouvez me retrouver en ligne par mes travaux scientifiques et de communauté, notamment sur Google Scholar, SPI et puis le LinkedIn. Aujourd'hui, j'affiche des drapeaux. Celui de la France, c'est ma terre de naissance. Celui du Royaume-Uni, ma terre d'origine et de ma famille. Et celui du Canada, qui est ma terre d'accueil pour l'immigrant que je suis. On est au mois de juin, et puis c'est quand même le mois de la fierté. Donc je profite d'afficher le drapeau de la communauté LGBTQIA+, en soutien de cette section de la communauté professionnelle qui reste sous-représentée dans une procession. Je pense qu'en tant que professionnel, nous gardons un devoir de reconnaissance des enjeux liés à cette sous-représentation et travailler pour amener et retenir ces personnes dans notre milieu pour continuer le progrès auquel moi je suis très attaché. C'est vrai que moi, je m'identifie avec plusieurs anciennes. Et dans un cadre professionnel, je reconnais que ouais, j'ai eu un privilège de travailler dans des grandes universités et suivre une éducation internationale qui m'ont amené à faire du génie électronique et poursuivre des travaux de recherche sur un doctorat en optoélectronique au Centre de recherche optoélectronique à Southampton avant de venir à ici au Québec. Et puis, j'étais très engagé depuis presque 10 ans dans les sociétés professionnelles. Comme le OSA, le SPI et puis la Photonic Society du IEEE, et puis qui contribue largement à mon parcours professionnel et personnel. Et donc aujourd'hui, finalement, donc je me retrouve chez Exelitas dans une corporation
pour profit, tandis que c'est le dark side. Mais bon, c'est un travail que je continue à apprendre, comment je situe mon identité là-dedans pour pouvoir m'aligner. Et puis, bon, le spoiler alert, c'est que je trouve des moyens. Et puis, on va en parler aujourd'hui. Donc, voilà, on va parler de deux sujets aujourd'hui, le bruit et le gain. D'un point de vue technique, moins philosophique. Et puis, on va aussi parler de valeurs qui motivent la collaboration et le progrès et comment je fais de mon mieux pour aligner ça au travail avec ce que je fais. Donc, si cela vous convient, donnez-moi une petite note sur le chat pour me dire c'est OK. Comme je disais plus tôt, il me faut moins 25% des gens qui répondent pour avoir un quorum pour continuer. Je vais attendre de voir des réponses qui arrivent dans notre chat avant qu'on commence les choses. Et puis, c'est bon, ça avance. Maxime, là, on a combien de personnes qui disent oui dans le chat? Eric Digo, Ariane nous dit oui, ok. Là, okay. C'est 7, 8, 9. 7, 8, 9, il en faut plus hein, pour avoir un quorum, là, je pense. Si on est à 25%, on est probablement du 25%. Okay. On est pas mal bon. Bon, écoute, on va continuer. Je vous demande, merci d'être engagé aujourd'hui. Merci d'être présent. Je vous demande aussi d'être gentil pour tous ceux qui sont en ligne et puis d'être curieux et de partager vos questions au fur et à mesure. Moi, je vais bien prendre des questions qui arrivent pendant la présentation et justement, je vais vous en poser. Donc, vous voyez un petit peu comment c'est la dynamique. Mais pour moi, je pense que la génération d'un courant par la lumière, ça a vraiment été un élément qui a gouverné ma carrière. Quand j'ai appris qu'on pouvait faire ça dans la première année de mes universitaires, ça m'a un petit peu changé la vie et comment j'ai décidé de choisir mes cours pour aller de l'avant. Et puis certains reconnaîtront une bonne vieille jonction PN dans les diagrammes d'en dessous. Puis ça a vraiment été incroyable de découvrir qu'on peut créer ceci, le fabriquer, et ça m'a donné envie de m'embarquer pour comprendre ce qui est fait. Donc en bas, pour revenir, Maxime, est-ce que tu vois mon curseur sur l'écran? Oui. Ouais, super. On va y aller un petit peu, mais donc vraiment cette jonction PN qui est introduite dans un circuit électrique est vraiment un petit peu une spécialité que on trouve dans toutes les formes, mais ici avec Silitas en particulier. Et puis elle est posée sous des diagrammes qui représentent des énergies de niveau dans les matériaux. On voit des signes peut-être qui sont familiers pour certains, qui représentent les bandes de conductance, les bandes de valence sur un schéma électrique. Et puis comment est-ce que dans cette jonction PIN finalement, on vient avoir ces niveaux électriques qui sont adaptés. Puis juste en dessous, on voit comment les champs électriques varient à travers ce device. C'est là où je voulais vraiment attirer votre attention sur, quand on revient à ces questions de gains et de bruit, c'est vraiment sur ce champ électrique-là qui fait une bosse dans cette région dopée au P dans des devices du type photodétecteur avalanche où beaucoup de la magie qui se passe dans nos produits Axitas se produit. Donc le circuit là en fait c'est ce qu'on appelait historiquement un circuit RCA Read Through. RCA c'est pour Radio Corporation of America et beaucoup du travail qu'on fait Axitas c'était vraiment hérité vient de cet héritage des années 50, des années 60. Et puis là vous voyez la lumière vient par l'arrière de notre device, d'où le Read Through. Et c'est basé sur la création, la propagation d'électrons dans ces régions PIN qui nous arrivent à vraiment à créer des signaux avec ces structures basées sur des fondations de chercheurs industriels, notamment du docteur McIntyre et du docteur Paul Webb. Et puis, donc, on va passer un petit peu en mode théorique pour quelques minutes, mais c'est cette équation qui en fait a été rapportée dans le contexte montréalais en 1966. Pour les fans de soccer, c'est la seule année où l'Angleterre a gagné la Coupe du Monde de soccer, ou le football comme on dit ailleurs. Mais ça continue de vraiment gouverner notre compréhension du bruit dans les APT, donc l'autre thème qu'on veut traiter aujourd'hui. Le KF que vous voyez ici, c'est un K-factor, c'est un bruit d'excès
pour les électrons et les trous qui sont générés dans ces produits lors des ionisations pendant l'injection des photons. Et puis, nous avons un facteur de gain. Donc, c'est vraiment une simplification du bruit d'excès sur ces électrons qui nous permettent d'apporter des approches fondamentales dans des circuits où justement les électrons sont ceux qui ont initié nos phénomènes d'avalanche dans nos photodiodes, qui nous permettent de mieux comprendre et simuler ces devices. Donc, Excitas, nous, vraiment, on est impliqués dans la science et fondamentale et la fabrication de ces détecteurs. Pour vraiment créer des amplificateurs en essence qui pour la lumière. Donc c'est un peu comme quand vous feriez avec votre ampli pour votre guitare pour les fans de musique, mais les meilleurs APD le font de manière intrinsèque dans le design. C'est pas forcément parfait car il y a beaucoup de procédés qui rentrent en jeu. Mais beaucoup de travail théorique fait dans les années 60, justement, dans les années RCA, regardez comment ces impacts d'ionisation, de rapport à électron-trou, nous permettent d'avoir des devices actifs. Et donc, si on revient un petit peu à ce thème de bruit, ce bruit est vraiment intrinsèque au gain qui peut y avoir dans ces devices, la manière que c'est construit, et puis c'est amplifié. Qui pour les devices qui sont faits pour des hauts gains. Donc on reprend les cours d'électronique maintenant et on regarde le rapport signal à bruit où le signal S est sur le bruit et puis les différents types de bruit qu'il peut y avoir dans les photodétecteurs. On a à la fois ce bruit du photodétecteur optique mais aussi toute une partie électronique qui fait que vraiment on est gouverné par un système optoélectronique pour comprendre ces systèmes. C'est assez universel, mais bon, on retrouve nos photons en entrée, hein, des gains, et puis ça nous ouvre des possibilités complexes pour aller chercher différents systèmes, différentes applications. Donc, c'est là vraiment où je veux en venir avec un des mottos de la compagnie qui est donc le Excel. Et vous présenter un petit peu une synthèse de deux travails récents, un théorique appliqué à nos produits par mes collègues Philippe Bérard, Martin Couture et Richard Simo, qui j'ai déjà fait, qui regardent justement ce travail théorique. Et puis l'autre qui est l'exemple de Jedi qu'on avait parlé, traité en vidéo d'entrée pour ça. Donc je ne vais pas vraiment prendre le crédit pour cette recherche. Puis ça, c'est OK, on fait partie d'une équipe dans une entreprise comme Excelitas. Et puis c'est enrichissant de participer à ce travail d'un point de vue opérationnel qui permet d'amener ces réalisations. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est que pour les intéressés, je vais quand même vous mettre dans le chat les liens vers ces présentations que vous pourriez consulter à votre aise après cette réunion, pour que qui sont donc sur la librairie du SPI. Et puis, c'est ça. Comme ça, vous pourriez regarder ça dans votre temps. Mais on va passer à travers là-dedans. Et puis là, je vais faire un switch en anglais parce que ça devient plus technique et je ne suis vraiment pas à l'aise de la faire en français, cette prochaine partie. So, switching to English. And we're going to look a little bit more at some of these devices, detectors, which have been done here with Excelitas. So this Jedi receiver, one of the things that you'll find in the paper, is redesigned using these proprietary dimple structures, microfabricated here in Vaudreuil, to increase the responsivity of silicon at some of the higher wavelengths. And so in this picture on the left is really the surface of the detector. It's a pretty thick device, 110 microns, tends to be absorb more of the higher wavelength light. And on top surface, we go and use etching techniques to be able and manufacturing techniques to make these dimples to bend the light slightly and help them travel a longer path within inside the detector and increase the efficiency of the absorption. And so these little structures actually, these dimples really help you reach a whole pile of new applications. But they've been very, very successful with our collaborations in space lidars today. And some of the skills that we actually need here in Vaudreuil are those with semiconductor design practice, people who work on photolithography for mask layout and optimization, as well as being able to characterize low noise devices. So they're kind of jumping on to that idea. The modeling that we talked about, the early equation for the excess noise factor.
really provides insight into some of the operations of the industrial device as a function of the K factor. So you have two graphs here. One which is, I would say, as one of our standard commercial devices from Axolitas compared to one of a slightly designed for Jedi. And we can really go and look at reducing this exhaust noise factor by having this expertise here in-house with device modeling, understanding how we would do optimization of dopant diffusion and controlling this from a sort of process engineering aspect, as well as having the test bench development and the optoelectronics testing to be able to do that, to really bring something which is suitable for very specific applications which NASA required going forward. And so working with NASA, is stringent. You do have to meet qualifications to go into space, and that's intended to verify that the materials that we do here, that this design that I talked about, as well as the performance and the long-term reliability are being accounted for. And so this sort of diagram is more of a quality type diagram, where you would be looking at different groups of qualification, of making sure that it's space ready. And you'd be doing tests like resistance to solvents, solderability, destructive analysis, sort of temperature cycling, electro-optic testing, inspections. And one thing which I find is quite cool is actually this last one, the four, the internal vapor content. And I'm glad we got Eric on the call. You can probably field questions if we need to, but here we have to operate high voltage devices. We talked about the high electric fields already in these ones, so we're sort of 400s of volts in a vacuum. So we need to actually assess this in these special needs of tests. So people who are been in quality engineering, who may be further in their career, not just students, anyone that has a good inquisitive mindset, documentation skills, and knows how to do material analysis is really sort of important skills for this job. And so, are you looking for a job as an engineering technician? Well, I'm going to pause on this slide for a moment and let you reflect on the kind of number of skills that are needed to kind of make such a program work, from physicists and electro-optical specialists, mechanical and systems specialists, as well as quality and industrial. I mean, today in Montreal, if you go to the website, we have 3 positions open for R&D electrical engineering, technicians for wafer fabrication, as well as process scientists as well. So, I'm going to take a little break here. Maxime, est-ce qu'on a des questions qui viennent dans le chat là? Je vois que ça clignote un petit peu. Where do you do the testing? Where do you do the testing? Thank you for that question today. The testing is mainly done in-house. We do have some things that we can do here, some things that we can outsource as well. So really depends on the amount of testing, but a lot of the benches and the equipment is actually here in the site in Vaudreuil. And I, without going into go too far for in much more information as well. I'm going to move on to Benjamin's question later around LiDAR, because we're going to go into a bit more around that, and we do have 5 minutes left, so I do I'll probably try and address that question from Benjamin as we go through. Awesome. So any 5 minutes il reste Maxime là pour le temps alloué, c'est ça? S'il te plaît, oui. Ouais, parfait. Donc question pour l'audience, en fait, là, je mets une map de tous nos sites à travers le monde. Et puis, la question que j'ai pour vous, là, dans les 5 minutes qui restent, c'est quelle heure était-il à Cabuyayo, mercredi soir à 20h15 heure de l'Est? Puis, c'est vrai qu'on est amené à travailler pas mal avec des gens à travers le monde. Et puis, savoir quelle heure est-il avec au sein de la compagnie, parfois, c'est plus difficile que ça en a l'air. Donc, moi, j'ai une amie qui m'a donné un petit outil qui est vraiment cool pour pouvoir regarder tous les... Tout ça, aller regarder ça pour voir quelle heure il est un peu à travers le monde. Ça, c'est nos 4 différents sites dans 4 fuseaux horaires différents. Puis la réponse, c'était 8h15 à ma question. Donc, pour ceux qui doivent travailler à travers le monde, il y a des outils pour vous aider un petit peu dans la vie. Donc, passons un petit peu à ce qui se passe sur le Jedi, sur le LiDAR. La biomasse de carbone est liée de manière acceptée, ou du moins évidencé par la NASA sur la Terre. Et puis, on voit les effets que l'accélération de la montée de ceci dans l'atmosphère depuis une cinquantaine d'années.
Le système LiDAR et Rengen vraiment combine des effets de laser de détection et puis d'éléments de mesure du temps pour détecter ces éléments du décor de la forêt sur la Terre. Et puis donc là, sur le petit diagramme, on va le repasser. Vous voyez, donc le laser va passer la lumière jusqu'à une surface réfléchissante qui va revenir et faire distance de 2D pour aller sur le module. Et puis de ça, en connaissant et faisant des approximations rapides, on peut estimer la distance et puis le delta T en connaissant le temps d'arrivée du départ d'arrivée du signal lumineux pour regarder ça. Et puis voilà un petit peu ce qui se fait sur le Jedi en fait. On va avoir ce signal-là qui va passer à travers le globe et puis renvoyer une map de à quoi ressemblent les choses où le laser passe. Et puis le graphique là à gauche va pouvoir à la fois regarder l'intensité mais aussi le type de structure sur laquelle on va regarder. Et vraiment différencier les surfaces des arbres, la hauteur des arbres, parce que donc, le retour du laser par l'interaction avec la chlorophylle en fait, va créer une différence un différent spectre par rapport à la retour du sol. Et de là, on peut vraiment aller estimer qu'est-ce qu'il y a et à quelle hauteur. Et puis, c'est vraiment un exemple de projet avec des données qui sont ouvertes par le site de Jedi et qu'on peut explorer un petit peu vraiment comment est-ce que les arbres et la présence des arbres sont à travers le monde. Et puis là, donc, ce graphique d'Eric nous permet donc de voir un petit peu sur différents sites. Là, au milieu, on a le site à Boulder, au Colorado, où se trouvent les arbres par rapport aux données qui sont fournies par Jedi. Donc, si vous aimez bien jouer avec ces données, je vous invite à regarder ou prendre partie dans cette communauté Jedi qui permet de visualiser, de donner des outils pour regarder tout ça. Donc, pour revenir un petit peu et pour finir à ce que c'est Exilitas, donc on a passé un petit peu sur ces idées de engage, d'enable et d'excel. Et une mission, parfois, c'est difficile à comprendre où est-ce qu'on se met dedans. Donc, moi, j'essaye de vous redire ça, mais je vais être critique en disant que voilà, nous apportions de l'innovation mondiale pour des clients qui fabriquent des systèmes. Mais en prenant en compte des marchés et en faisant des partenariats. Et puis moi, je peux vous dire un secret que voilà, il y a beaucoup, on prend en compte les personnes beaucoup avec Civitas. Moi, je suis impressionné de voir comment ça s'est fait. Est-ce qu'on pourra aller sur Mars? On a des projets qui s'alignent là-dessus pour envoyer nos détecteurs sur Mars. Ça, c'est des idées. Et pour nous suivre plus et pour en apprendre plus, je vous invite aujourd'hui à nous suivre sur LinkedIn. Nous avons des séries, nous restons engagés. Et puis donc le 9 juin, en partie de la série webinaire Exilitas, vous pourrez apprendre plus sur l'électro EMI, Electromagnetic Interference with Pyroelectric Sensors. Puis sur ceux qui sont au Québec, à Montréal, en octobre, nous sponsorisons la 5e rencontre photonique de Montréal. Puis donc voilà, nous sommes en plein soleil tout le temps ici. Et puis pas très loin, on passe le pont de l'île Tourte qui maintenant est ouvert. La circulation et en moins de 40 minutes vous pouvez nous rejoindre du centre de Montréal. Donc voilà, je pense que c'est tout pour moi. Maxime, est-ce que tu veux reprendre la parole pour la période de questions? Merci beaucoup Mathieu, très intéressant. Merci également à toi pour toute ton implication dans l'industrie, dans la communauté optique photonique. Très beau de voir ça. Il y avait d'autres questions, encore quelques dernières minutes pour des questions. Il y avait une question sur le programme Gateway. Eric en a proposé une réponse écrite. Merci, si vous avez d'autres questions pour Mathieu, il reste quelques minutes avant de passer à la prochaine présentation. Je vous invite à écrire ça. Faites-vous des tests contre les radiations? Oui, notamment, je ne pourrais pas vous donner le détail là-dessus directement, mais oui, ça fait partie des tests qu'on peut faire. Justement, quand on a des qualifications plus poussées pour l'espace. Puis, moi, j'avais une question, Mathieu. Ici, dans le Grand Montréal, tu vas parler de Vaudreuil, à Ville-Saint-Laurent. Est-ce que Exilitas travaille dans d'autres secteurs que le spatial?
Oui, bien sûr. Là, j'ai pas vraiment pris, comme tu l'as dit au début, Maxime, hein, il y a beaucoup de champs d'application en imagerie médicale, en application commerciale, mettre des capteurs dans des vacuum cleaners, comment on dit ça en français déjà, les vacuum cleaners. Je me comprends. Mais oui, il y a beaucoup d'applications. C'est vrai que c'est difficile parfois de sortir un petit peu ce qu'on fait par rapport à ce qu'on voit au niveau des produits. Mais c'est ça, il y a beaucoup. Et puis ça, c'est vraiment, cette visibilité est très, très visible sur les pages LinkedIn d'Axilitas pour vraiment comprendre ce qui est fait aux différents sites. Et puis c'est ça, je pense que ça me prendrait plus de 15 minutes, malheureusement, pour pouvoir satisfaire la curiosité des gens qui veulent des produits et de la science pour aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs expertises puis plusieurs applications développées ici à Montréal ou au Québec, du moins par Axelitas, puis ça, j'en Ouais. approvisionne. Mais ce que je soulignerais, c'est que c'est une compagnie vraiment de manufacturing. On fait du hardware à tous les différents sites. Et puis, ce génie industriel, donc ces expériences que les gens pourraient avoir en fabrication, que ce soit en lab ou en industrie, c'est très prisé. Et puis, c'est des trucs qui aident vraiment à accrocher la vue des dirigeants quand voilà, vous avez des applications ouvertes où les rôles sont là. Donc, c'est très pertinent de pouvoir faire ça. Aspirateur, merci France. Les aspirateurs autonomes qui utilisent du LiDAR. C'est moi qui te remercie encore une fois, Mathieu, pour ta présentation. Tu as donné plusieurs endroits où on pouvait te rejoindre sur tes réseaux Oui, sociaux, bien sûr. notamment. Donc, peut-être une dernière question avant de changer rapidement. Vous avez un groupe Exelitas au territoire du Nord-Ouest. C'est la R&D de la fabrication dans le territoire du Nord-Ouest, est-ce que tu sais? C'est une très bonne question, Eric. Est-ce que tu en sais plus? On va garder cette question pour le chat, je pense. Ça marche. On Et puis trouvera la comme réponse ça, un peu plus tard. on trouvera la réponse plus tard. Moi, ce que je vous invite quand même à faire, c'est que bon, moi, je suis ouvert à connecter. Je laisse mes contacts coordonnées dans le chat. Si vous voulez nous dire d'où vous venez aujourd'hui et puis de connecter, ça me fera plaisir de rester en contact avec vous. Merci encore. Merci, Maxime. On continue ce Brown Bag Lunch. On est dans les temps. On continue avec l'autre membre d'Optonic que l'on présente aujourd'hui, Diacarb. Diacarb est en affaires depuis 1981. C'est un atelier d'usinage spécialisé dans la fabrication de pièces sur mesure de haute précision, ainsi que dans la production de petits composants complexes et précis. Eux également, ils œuvrent dans plusieurs secteurs. On parle du transport terrestre, du secteur médical, de l'énergie, de la défense, de l'optique photonique, puis de la télécommunication. On parlait d'eux encore la semaine passée dans le journal Les Affaires pour leur virage dans l'industrie 4.0. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cet article-là sur les réseaux sociaux de Diacarb, Facebook, LinkedIn. D'ailleurs, ils sont particulièrement bien animés. En fait, là, j'ai bien aimé ce que j'y ai vu. Je vous invite à aller y faire un tour. On reçoit aujourd'hui Steve Bissonnette, le président, et pour la présentation dans les prochaines minutes, le directeur de développement des affaires, Steve Lévesque. À toi, Steve. Merci, merci beaucoup, Maxime. Merci de l'invitation chez Optonic. On apprécie beaucoup et bravo à Mathieu. C'était une très belle présentation sur ça. Je vais vous partager mon écran. Nous y sommes. Voilà. Donc, Diacarb, atelier d'usinage. Ça, c'est vraiment ce que nous sommes. Chez Diacarb, on a une mission très précise, comme beaucoup d'entreprises. Nous, on fabrique de petites pièces précises en série et on part de vos idées. Vraiment, si on prend justement Excelitas, les idées, on est capable, nous, de réaliser l'idée qui est derrière tout ça. Notre mission, c'est vraiment, nous, d'être un partenaire dans la fabrication et de s'assurer que les lignes de montage de vos différentes entreprises ne tombent jamais en panne. Donc, on s'assure de vous fournir en temps réel toutes les pièces que vous allez avoir besoin et penser et surtout les créer. Donc, on est un partenaire d'affaires. On aime travailler en partenariat avec nos gens
On a vraiment une usine qui est en évolution et c'est ça. Donc, on aime être le réalisateur de vos projets. En plus de travailler dans le photonique, Diacarb travaille robotique, la défense médicale, l'énergie. Je dois spécifier réellement qu'on travaille du tout pas dans l'aéronautique. On se concentre sur d'autres marchés avec lesquels on aime beaucoup développer. Chez Diacarb, vraiment l'expertise, c'est le tour suisse. Donc, les machines CNC, on en a 12, tant en fraisage qu'en tournage, à 50-50, là, vraiment. On a des machines, donc, horizontales, verticales. Toutes nos machines sont alimentées, ils ont des alimenteurs de barres et des chargeurs de palettes. Puis, une de nos grandes fiertés qu'on a chez Diacarb, c'est vraiment notre machine à outils avec cellules intelligentes. Puis je vais prendre une petite seconde pour vous en parler un peu plus parce que ça vaut vraiment la peine. On la voit ici sur la photo. La NZX, qui est une machine intelligente, elle, ce qu'elle fait, c'est un tour multi-axe qui va usiner la pièce. Un coup que la pièce est usinée, la porte va s'ouvrir, le robot va aller chercher lui-même la pièce. Il va faire son nettoyage ultrasonique. Ensuite, il va déposer cette pièce-là sur la CMM size, qui est à même la cellule. La machine va faire toutes les mesures nécessaires et de là, va retourner l'information au logiciel qui, ce logiciel-là, va retourner les corrections à faire directement sur la multi-axe. Le tout se fait vraiment automatisé et ce qui est la beauté de cette machine-là, elle n'arrête jamais de travailler. Elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur semaine. Tant que son alimentation est là, tant qu'elle continue le travail. Donc, les grands projets, des choses comme ça qui ont besoin de beaucoup de pièces, elle peut être toujours en continu. En plus, au niveau vraiment de la photonique chez nous, on fait, comme je disais au départ, c'est du tour suisse. Donc, on est reconnu pour la fabrication de petites composantes. Tant qu'ils sont, plus ils sont complexes, plus précises, le challenge est là et on aime beaucoup, beaucoup travailler dans ce domaine-là. Une chose qui est une force aussi chez nous, on a vraiment développé nos techniques d'ébavurage des pièces pour spécifiquement dans la fibre optique qui est vraiment pas de peine quand les pièces retournent chez notre partenaire. Au niveau, on travaille plusieurs types de composantes, donc soit le torlon, semi-tron, qu'on soit dans l'inval, cobalt, à peu près tout ce qui est pensable, on peut le travailler dans notre domaine. Vous allez voir aussi, on a des belles photos des pièces, là, ça peut inspirer certaines personnes. Donc, nous sommes. Qui sommes-nous? Avant tout, on est certifié ISO 9001-2015. On fait partie du programme de marchandises contrôlées. On travaille sur trois quarts de travail. On a tous les systèmes d'assurance qualité. On a trois CMM chez nous. Et on a un système intégré ERP, communément appelé, depuis 2005 M1, qui est là tout au long du projet. Trois quarts de travail, environ une quarantaine d'employés. C'est ce qu'on est chez Diacarb. La position de Diacarb, on est à Ville-Saint-Laurent, pas très loin de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. Donc, si vous avez besoin de nous, vous savez où nous trouver. Et donc, je voudrais peut-être plus en finissant, puis
Steve Bissonnette va être là pour répondre à vos questions plus techniques, vu que je suis depuis seulement un mois chez Diacard. Je vous répète, on est une usine qui fabrique des petites pièces précises, complexes et en série. On travaille en partenariat avec vous, puis on s'assure que vos lignes de production sont toujours alimentées. Vous avez à l'écran toutes mes données si vous voulez me contacter par soit par LinkedIn ou directement chez Diacard. Au niveau de l'emploi, Diacard, on a quand même sur notre site Internet, il y a quelques postes. Donc, avis aux intéressés, juste à nous visiter. Et je laisse la parole à notre président Steve. Félicitations, Steve, c'est très bien. Merci. On a une première question de faites-vous de Daniel, faites-vous des petites séries, voire du prototypage à part de la production. En fait, nos machines, beaucoup d'automatisation, donc c'est un petit peu plus difficile de pouvoir faire des prototypes. Il y a certaines composantes qui ne peuvent pas vraiment se fabriquer en prototype sur des machines plus conventionnelles, donc ça prend les multi-axes puis pouvoir les faire, les composantes, dans un seul montage. Donc, on va faire certaines productions de prototypes, mais ce n'est pas notre force. On est vraiment plus là au niveau des séries. À cause de l'automatisation de nos machines, ça fait des setups qui sont beaucoup plus longs puis plus lourds à faire. Donc, ça devient un peu dispendieux pour pouvoir faire juste des petites séries. Je te remets la parole, Maxime. Alors, donc, je vais citer, merci beaucoup, Steve Levesque, pour la présentation. Je vais me permettre de citer le présentateur précédent, Matthew, pour l'audience. Soyez gentils, soyez curieux, soyez présents. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Moi, je suis aussi un nouveau dans le secteur optique photonique. Je viens du monde de la mécanique, mais j'assume en fait là, que notre audience aujourd'hui a davantage un background peut-être en physique ou en électrique, en électronique. On a parlé souvent de tours suisses. Hein. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est les bénéfices d'un tour suisse? En fait, le tournage suisse, la différence par rapport à un tour standard, si on veut, normalement, le matériel va tourner, puis c'est les outils qui vont bouger de gauche à droite pour faire l'usinage. Puis, tandis qu'au niveau d'un tournage suisse, on a ce qu'on appelle en anglais un guide bushing qui tient le matériel. Puis l'outil est juste à côté du guide bushing, ce qui fait qu'on est capable, après ça, on alimente le matériel à travers le guide bushing. Puis c'est ce qui fait qu'on est capable de faire des pièces très, très petites, genre 100 millièmes de diamètre à 4 dixièmes de millième de tolérance sur une longueur de 8 pouces de long. Donc, sur un tour, normalement, on ne serait pas capable à cause qu'on ne serait pas à côté en dessous. Donc, on aurait de la difficulté à pouvoir faire ce genre de précision-là. Puis en plus, les déplacements des outils, c'est très, très proche. C'est très petit. Donc, les déplacements d'outils sont beaucoup plus rapides pour être capable d'avoir une exécution de pièces qui est plus vite, ce qui donne des prix plus compétitifs. Les précisions qu'on va travailler... On va travailler jusqu'à 2 dixièmes de millième en pouce de tolérancement au niveau de la précision. La beauté, entre autres, avec notre cellule intelligente, c'est qu'on fait des composantes là-dedans jusqu'à 3 pouces de diamètre en aluminium avec des murs très minces. Puis, on a 4 dixièmes de millième de tolérance. Puis, sur une journée, 24 heures, 7 jours, on est capable d'auto-ajuster au fur et à mesure qu'on usine. Donc, les ajustements se font de façon automatique. C'est un peu ça qu'on a automatisé dans nos machines, c'est les ajustements machine, ce qui fait que ça ne dépend pas du machiniste. Avant ça, notre meilleur machiniste dans sa meilleure journée, comment il pouvait faire ses ajustements machine versus moins bonne journée, le machiniste le moins qualifié, il y avait quand même des écarts, puis c'était pas toujours évident d'avoir un output toujours pareil. Maintenant que la prise de décision est prise par l'intelligence artificielle qui fait le monitoring des décisions par rapport à toute la prise de mesure qu'on a sur la machine, bien, ça nous permet de faire des ajustements en temps réel, très rapide, puis garder nos pièces dans les tolérances sans exception. Donc, meilleur contrôle de qualité, meilleur contrôle de la production, puis un output qui est plus direct. Parfait. Je regarde à nouveau. Il y a des nouvelles questions
le chat des précisions possibles. On en a parlé. Quelles sont les dimensions des pièces sur lesquelles on peut travailler chez Diacarb à l'intérieur de... Bon, là, tu nous parlais d'une très longue pièce ou une très courte pièce en termes de précision. Quelles sont les dimensions standards? En fait, Diacarb, on va alimenter automatiquement jusqu'à 3 pouces de diamètre dans des pièces de tournage. On est capable d'aller à 3 pouces et demi, mais on ne sera pas en bord. On va loader avec le robot des POC, si on veut. Puis, de 3 pouces de diamètre jusqu'à très, très petit, là, grosseur d'un aiguille. Là, on peut machiner des pièces à 20 millièmes, 30 millièmes de diamètre. Puis, en fraisage, on va aller dans une enveloppe approximativement de 1 pied cube. Donc, quand on définit les petites pièces, là, c'est à peu près ça. C'est sûr qu'on a des fraiseuses verticales qui vont aller faire des plaques un peu plus grandes, jusqu'à 2 pieds, des choses comme ça. Mais principalement, là, une enveloppe d'un pied cube là, en fraisage, c'est pas mal notre force. Là. C'est là qu'on va se démarquer des autres à ce niveau-là. Très peu d'ateliers comme la nôtre au Québec. Il y a beaucoup d'ateliers, comme Steve Lévesque disait tout à l'heure. Il vous a pointé comme quoi qu'on n'était pas dans l'aéronautique. Beaucoup d'ateliers d'usinage du style de notre entreprise sont dans l'aéronautique, ce qui fait que souvent sont pris avec des gros joueurs qui bloquent beaucoup d'heures machines pour eux autres. Nous autres, on a décidé de se diversifier puis de s'en aller dans différents domaines. Le domaine optique, je me rappelle, il y a quelqu'un qui a marqué un commentaire que les pièces sur la première page, il les connaît, puis il sait que c'est très, très petit. Là, c'est des petits embouts, puis avec des trous de 18 millièmes à l'intérieur. Puis c'est des pièces qu'on fait depuis 1998, là, si ma mémoire est bonne. Là. Donc, on continue à les fabriquer encore aujourd'hui. On est partenaire avec Excelitas aussi. Là, j'en parlais avec Mathieu un peu avant la présentation. Puis, ça fait plusieurs années là, qu'on fait des composantes pour Excelitas dans des plastiques bien spéciales où est-ce qu'on est capable de faire des choses avec des tolérances. On a beaucoup de plus ou moins 1-10 dans les tolérancements qu'on fait de pièces avec Excelitas, entre autres. C'est pertinent. Quel genre d'expertise en optique photonique doit avoir quelqu'un qui travaille chez Diacarb? Il n'y a aucune expertise en optique photonique pour travailler chez Diacarb. En fait, nous autres, c'est des machinistes. Puis nous autres, on ne fait pas de conception. Donc, nous autres, c'est vraiment l'usinage. C'est sûr que quelqu'un qui connaît le domaine optique photonique puis qui aime beaucoup l'usinage ou qui a travaillé dans l'usinage dans ce domaine-là, ben il va connaître les rigueurs que ce domaine-là requiert, puis tout ce qui arrive au niveau des bavurages qu'on parlait tout à l'heure, là, la fibre optique dégainée avec une petite baveur, c'est pas ben winner, donc ça, c'est très important. Donc, ces petites choses-là, c'est un atout, si on veut, là, mais c'est pas mal ça. Ben, merci beaucoup pour la chance de pouvoir présenter Diacarb au domaine optique photonique. Merci à vous. Merci Steve. C'est très apprécié, bien intéressant. Heureux hasard, en fait, d'avoir deux membres lors de la même du même Brown Bag Lunch qui travaillent ensemble. Faut pas dire que c'est un hasard, Maxime. C'est voulu, bien sûr. Oui, c'est voulu, d'accord. En fait, il me reste quelques minutes avant de vous laisser tous. Puis je vous... c'est peut-être le moment, une chance pour moi de vous parler, que peut-être ce sera une occasion de vous réinviter l'un et l'autre, puisque à l'automne, on va démarrer chez Optonic une nouvelle série webinaire sur les succès de l'industrie, en fait. Puis ce qu'on va vouloir, je vous invite, là, si dans l'audience, il y a de l'intérêt, vous êtes membre d'Optonic, de nous contacter. Ce qu'on va vouloir, c'est de mettre en lumière, en fait, de souligner la collaboration soit de deux membres, au mieux, comme dans votre cas, puis de voir le succès, puis le rayonnement, en fait, de cette collaboration québécoise au niveau provincial, mais mondial également, ou encore un membre, puis quelqu'un hors de l'industrie, en fait. Donc, c'est ce qu'on va vouloir mettre en avant, en plus, en fait, de la série Brown Bag Lunch à laquelle vous assistez aujourd'hui. Donc, c'est intéressant que tu mentionnes ça, Maxime, parce qu'on en fait beaucoup, beaucoup de ce genre de collaboration. On l'a fait, entre autres, avec Excelitas, où est-ce qu'on va avoir des revues de projets avec les équipes d'ingénierie. Puis, c'est souvent, nous autres, on fait des composantes, mais l'optique photonique est beaucoup plus importante que la composante elle-même. Puis, les personnes qui les dessinent, c'est pas nécessairement des personnes techniques d'usinage.
Et nous autres, on fait la revue d'ingénierie avec nos clients pour être capable d'emmener notre force d'usinage. Donc, nos programmeurs, nos machinistes vont faire partie des revues d'ingénierie pour être capable d'emmener notre expertise puis dire, regarde, si tu fais ça de cette façon-là, le trou de ce bord-là, ça serait plus facile, ça répondrait quand même à ton besoin. Fait que ça, on fait beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Là. On l'a fait avec plusieurs clients, surtout dans le domaine photonique. Ça a été un des gros défis qu'on a réussi à réduire les coûts des pièces pour puis être capable de le fabriquer en série beaucoup plus facilement de cette façon-là. Ben, je pense que c'est une preuve, en fait, qu'il faut, ou une preuve de succès d'amener des gens dans notre industrie, en fait. Un des défis qu'on connaît tous, en fait, en optique photonique, c'est la difficulté de compréhension des non-initiés, en fait, de l'industrie. Puis on sait bien que tout le monde, en fait, qui travaille au sein de l'industrie, peu importe où dans la chaîne d'approvisionnement, doit avoir cette initiation, cette introduction, cette sensibilité, en fait, au matériel puis à l'utilisation de nos systèmes, de nos sous-systèmes. Donc, bon, c'est tout à votre honneur. Il ne me reste qu'à vous remercier tous de votre présence, de votre écoute encore aujourd'hui, de votre curiosité. Donc, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Ça sera encore à 11h30, le 18 juin, le Brown Bag Lunch présenté par Optonic, puis COPL. Cette fois-ci, ça sera avec l'Institut national d'optique, INO, ainsi que Photon, etc. Donc, on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Un bon week-end à tous. Merci, Maxime. Merci à tous. Merci, Maxime. Bon.